Bonjour, quand l'esprit te demande de faire quelque chose en avance, tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui va se passer avant d'agir. Ok? J'ai eu une situation où l'esprit me demandait de déménager et d'arrêter de bosser avec une certaine personne. J'avais cette intuition, cette voix pendant 2 semaines. Il savait que le jour où j'ai décidé de déménager, et d'arrêter avec la personne. Ça s'est passé en l'espace de 2 jours. Donc, j'ai déménagé un jour. Et l'autre jour, le lendemain, j'ai arrêté avec la personne. Le jour où j'ai arrêté avec la personne, une personne qui allait remplacer celle-là est revenue dans ma vie. Et c'était vraiment d'une façon très, je peux dire, naturelle. Parfois, il y a des choses que tu es en train de faire que tu n'es pas censé faire. Et l'esprit connaît le futur, donc l'esprit connaît ce qui va se passer. Et l'esprit a besoin de ta collaboration par la foi. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous allez devoir commencer à faire par la foi. Et la foi, c'est juste que tu sens à l'intérieur de toi, l'esprit te dit, achète telle chose. Achète un téléphone pour faire les vidéos TikTok peut-être. Et sur toi, ce jour-là, tu n'as que 100 000 francs. Le téléphone coûte 95 000. Quand tu vas sortir l'argent, acheter le téléphone, tu vas mettre en place des forces qui vont permettre que cet argent pousse dans l'univers et que ce soit remplacé dans ta poche. Maintenant, ça peut être remplacé de plusieurs façons. Soit quand tu achètes le téléphone, en route pour aller acheter le téléphone, sur le chemin du retour, tu tombes sur quelqu'un qui te devait de l'argent ou bien tu tombes sur quelqu'un qui veut faire un nouveau contrat avec toi. Soit tu achètes le téléphone, tu fais la première vidéo, quelqu'un tombe sur la vidéo et il signe un contrat avec toi, ou bien il achète tes produits, les premiers produits qu'il prend, ça a une hauteur de 95 000 francs. En fait, l'univers, hein, ne va jamais te dire quelque chose pour te tromper. Dieu va te parler, mais pour que tu écoutes, tu obéisses. Et dans ton obéissance, maintenant, tu avances. Et le but, c'est que tu te rapproches de ta mission. Le but, c'est que tu deviennes ta meilleure version. Voilà.